Nirao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième séquence. Dans la vidéo précédente, nous avions vu la première séquence, donc on peut la faire seule, ainsi que celle-ci. Nous pouvons donc la faire seule ou accompagnée ou avec un partenaire. Donc pour être clair, la première personne fait la première séquence, la seconde personne fait la deuxième séquence, c'est tout simple. Donc si vous commencez la première séquence avec le bras droit devant, la deuxième personne fera, elle, la deuxième séquence avec le bras gauche. J'espère que c'est clair, en tout cas si vous êtes à deux, vous verrez que c'est beaucoup plus simple à comprendre. En tout cas, je vous conseille d'aller mettre votre kimono, la deuxième séquence c'est tout de suite, c'est maintenant, je vous attends. Donc cette deuxième séquence est beaucoup plus simple que la première, en tout cas vous allez voir, on a donc trois mouvements, comme dans l'autre. Pour commencer, nous allons voir les mouvements un par un et nous allons les faire plusieurs fois à droite et à gauche. Sortir, Tan Sao, paume. Deuxième mouvement, Tan Sao. Important, c'est de ne pas lever trop l'épaule comme ceci. C'est vraiment le coude qui monte et éviter de monter l'épaule en même temps. Troisième mouvement, très simple, simplement le Tan Sao, simplement sortir le bras sur l'avant. Pensez à bien amener le poignet au centre. On enchaîne les trois mouvements ensemble. Thank you.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc vous pouvez faire ces mouvements seul, encore une fois, ou avec partenaire, en faisant la deuxième série et la première série ensemble. Même si c'est le côté droit que vous commencez, le personne ce sera côté gauche et inversement. Vous pouvez bien évidemment mettre un peu plus de tonicité dans vos mouvements. Faites attention de ne pas donner de la force en ayant le bras complètement tendu. Retenez votre bras quand vous faites le mouvement de la paume. Faites attention à ça parce que ça va abîmer les ligaments et les articulations. Comme vous avez été gentil, il se peut que je fasse la vidéo avec partenaire. Comme ça, ça vous donnera également une idée de ce qui se passe. C'est parfois plus parlant. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'entraînement. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tient.